Bon, il a plu toute la nuit. On a rendez-vous sur l'Albarine. À mon avis, les eaux vont être gonflées. Le débit va être beaucoup plus élevé que d'habitude et ça risque de troubler la flotte. On va bien voir ce que ça va donner. Mais, ça va peut-être pas être facile. On va regarder le baromètre. Je crois qu'il est mort. Sur les bords de l'Albarine, c'est une rivière de première catégorie, une rivière à truites apparemment où il y a de gros poissons. On va rejoindre Olivier Tondeur qui est en train de pêcher au lancer. On est dans le Bas Bugey, c'est donc une des régions du département de l'Ain. On va découvrir ça ensemble. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je vais quand même sortir les polas. C'est toujours mieux. Salut Olivier. Ah Xavier, comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va pas mal, hein. Alors il pleut un petit peu, mais... Il pleut un petit peu, ouais. Mais je crois que c'est pas plus mal pour l'arrivée. Tu vois, il y a quand même quelques truites dehors. Ouais. Ah ouais. T'as fait du poisson ce matin, là, avant qu'on arrive? Bah écoute, j'en ai fait deux. Ouais. J'ai eu quelques suivis, mais toi, ça fait pas longtemps que je suis là. Ouais. Donc on va quand même pêcher un petit peu là et on va monter tout le long de la rivière, mais par le bas. D'accord, ok. Que tu vois, si on arrive par le haut, comme ça, on va être à 2-3 mètres au-dessus de la rivière. Ok. Et puis là, les truites, on va jamais en prendre une, quoi. D'accord. Donc okay. On va remonter et tranquillement, doucement, puis on va aller pêcher, tu vois, tous les postes en face sous les branches. Ouais. Donc si ça va un petit peu rire, bah, on devrait faire un peu de poisson. Quand même. On est un peu en altitude quand même là, non? Ouais, on va dire que c'est de la petite moyenne montagne. Ouais, d'accord. Hein. Mais toi, on est bien encadré. Par contre, quand il pleut, avec les montagnes, ça bloque quand même les nuages. Hein. C'est joli, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est super. Ouais. Mais bon, moi, je préfère quand même un peu de pluie au soleil qu'on a eu dernièrement. Hein. Ouais. Bah d'ailleurs, ça, je crois que ça attire les pêcheurs la pluie. C'est clair. On en a croisé quelques-uns. Tu vois, je pense qu'elle est en train de monter un petit peu, parce que tu vois, les algues sont en train de se défaire du fond. Donc la rivière, elle monte. Hein. Ok, d'accord. Mais par contre, il faut bien rester sur le bas, parce que si tu es en hauteur, celles qui sont de l'autre côté de la berge, elles vont te voir tout de suite. Hein. Ici, c'est très 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 pêché. Donc, il faut rester au minimum le plus discret possible et surtout éviter d'entrer dans l'eau. Quoi. Et t'as fait des beaux poissons ce matin ou quoi? Bah, on a fait une petite de 35, enfin une belle de quand 35. Même. Et puis après, une de 25-26 à peu près derrière. Hein. Ça lâche pas ce moment-là, c'est bien. Mais tu vois, ce qui est dommage avec la pluie, c'est que tu verras pas les attaques de truites. Ouais. Parce qu'ici, pour la pêche à vue, c'est splendide. Hein. Ouais. Là, il doit y en avoir une devant. Ah, là, c'est à gauche. Ouais, elles sont parties où, les cocottes? Tu me disais que c'était quand même une rivière super poissonneuse, là? Ouais, alors ça, on peut le voir facilement, parce que la PPMA a un très très beau site internet. Ouais. Et ils mettent des comptes rendus des pêches électriques. D'accord. Tu vois, et donc, quand tu fais ton calcul de pêche électrique, t'es au kilo-hectare. Puis comme là, la rivière, elle fait en moyenne 10 mètres, donc tu vois, sur 100 mètres, ça te fait un hectare. Et tu arrives sur des zones à 400, 500, voire pratiquement 600 kilos, quoi. Ah oui, d'accord. Sympa. Donc, y a... Et puis, il faut dire qu'ils s'en occupent bien, parce qu'avec tous les travaux qu'ils font, il faut des caches. Alors avant de passer sur ces contrats rivières, ce qui se passait, c'est qu'on avait un carnet de prélèvement. Et on a vu qu'ils se prélevaient entre 20 et 23 000 truites par an. Ah ouais. Et moi tu te dis, bah, il sort beaucoup de poissons, il va rien rester pour la période de reproduction. Quoi. Puis et quand tu arrives sur la période de repro, bah, tu t'aperçois qu'il y a de chaque année, il y a de plus en plus de poissons. Quoi. C'est dingue. Vu qu'on met de plus en plus de blocs dans la rivière, bah, il y a de plus en plus de caches. D'accord.
Donc c'est pour ça que d'interdire cette pêche, tout ce qui est poisson, tu vois, vairon manié, vairon vivant ou tout ce que tu veux, bah, ça permet de sauvegarder un peu tous ces gros géniteurs qui aiment bien les gros rochers, bien être dessous, tu vois, il y a les branches. Tu peux pas aller les chercher aux leurres et aux appâts, quoi. Ouais. Donc ça te permet de voir une rivière quand elle est très très claire, comme elle est aujourd'hui, mais qu'il pleut pas puis que tu as du soleil, bah, tu vois des poissons partout. Quoi. Ouais. Et ça c'est super pour les pêcheurs. Quoi. Ouais, au moins tu vois des poissons déjà, après il faut les prendre. Tout à l'heure on s'est arrêté un peu plus bas, j'ai vu 2-3 poissons calés quoi, ils bougeaient vraiment pas. Bon bah allez on va remonter un peu, il y a quelqu'un devant par contre là. Ouais, il y a un autre pêcheur, je crois qu'il faut le passer. Hein. Ouais, on est obligé d'aller tout droit. On va être obligé de filouter. Hein. Oh, oh la vache, je l'ai. Ah, je me manquais. Loupé. Ah ouais, au moins 40 hein. Non. Tous les cailloux. Oh la garce. Je vais voir si il y en a une autre quand même, mais... Oh punaise. On a mal pris. Bon là, changement de secteur, on remonte et on est remonté un petit peu sur la rivière. Et on va voir la partie amont du secteur qu'on a pêché tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Là tu vois Xavier sur ta gauche c'est un super spot. Ok. Avec un beau rocher au milieu, donc on va y aller doucement parce qu'il y a peut-être une truite en bordure. Tu vois. Et là, tu pourras pêcher sur le billet comme ça. Il y a du spot là. Déjà il y a l'arbre aussi ici, voilà, je vois le rocher. Tiens, un chien vient nous rendre visite. Ah, il va marquer l'arrêt. Tu vois, il a marqué l'arrêt, donc c'est qu'il y a de la truite. Donc c'est bon ça. Okay. Ça on peut enchaîner. Allez. Allez vas-y, prends-moi la grosse qui est là. Putain, ça doit. Ah oui oui c'est là. Poisson. On avait attaqué, c'est là. Magnifique, superbe. C'est un beau poisson, en plus. Joli. Baisse un peu la canne, parce que si elle fait une chandelle, elle peut se décrocher. Ouais, t'inquiète. Oh, ça, c'était un... Ça méritait un poisson, ah ouais. Quand même. Ah oui, lancer, oui, là. Oui. Très beau lancer, ça méritait. Et c'est génial, parce que t'as vu, on l'a vu vraiment suivre et attaquer le leurre, quoi. Tiens, je vais prendre tes pinces, je vais la décrocher directement, comme ça. Un beau fish. On va y aller doucement. Hop, décroché. Nickel. Bon, bah voilà. Poisson. Super. Tiens, check. Bien joué. Yes. T'as vu? Ah, beau poisson, belle ouais, attaque. Ouais, mais si c'est comme ça en haut, ça risque d'être bien. Ok, super. Tu vois, un petit suivi là. Bah, elle est partie, forcément. Elle est sortie. Elle était en dessous, ouais. Bah oui, elle était sous, forcément, elle était à l'abri là. C'est énorme. C'est un poisson lucifuge quand même, elles aiment pas trop la lumière, donc elles sont souvent sous les. Dans les endroits où. Tiens, regarde celle-là. T'as vu le beau gobage? Elle est prendre là. Oh, poisson! Ah, t'en as une? Ah, elle est jolie, hein? Allez! Pas dehors. C'est quoi Xavier? Il y a une super vasque en haut, on va aller la faire tout de suite là. Vas-y. Ah ok. Alors ici toi t'as un secteur où quand même il s'est fait quand même des jolis poissons. Hein. Ouais. Il y a 2 semaines, une personne qui est venue au camping, tu vois, touriste, tranquille, pour pêcher l'albarine, il a quand même fait une 78. Hein. Le bloc quoi. Ah ouais, un monstre il de fait poissons. À quoi, tu sais? Mais il y a en nymphe à vue. En nymphe? Un nymphe à vue. Oh, il a dû s'éclater. Ah il est arrivé tranquille sur le passage où on était tout à l'heure. Ouais. Tu vois, elle était là, positionnée, il a mis la nymphe, paf. 78 d'entrée. T'es un pêcheur à la mouche plus haut? Ouais, mais on va le passer. Ok. On va le laisser pêcher tranquille. Sentier nature. Ah là, on y est. Hein. On est vraiment dans la nature. Ouais. Là, il n'y a pas une route. On est super bien. Oh, c'est magnifique, hein, cette rivière. Ah, c'est super. Bien, bien. Ah bah dis donc, si tu vois ce que je viens de trouver, Xavier, tu vas halluciner. C'est quoi? Bah je viens d'attraper un bout de nylon. Ouais. Figure-toi qu'il y a une crinelle d'acier avec une cuillère numéro 4. Tu vois, puis nous on pêche quand même avec du 14 centièmes. Hein. Et pourquoi il y a du brochet ici, non? Non, non, il n'y a pas de brochet, c'est que de la truite. Bon, d'accord. Puis là, c'est quand même armé, il y a moins du 30 centièmes. Donc on va nettoyer la rivière, on va enlever tout ça. Ouais.
Il est parti où, Xavier? T'aimes bien ces petits coins comme ça, toi? Ouais, ouais. Je préfère les calmes, toi. T'en as fait des calunes? Non. Va chercher, rapporte. Oh, poisson! Ah ouais, l'autre côté, hein. C'est petit. Regarde ces belles couleurs. Regarde-moi ça. Petite truite. Ils sont magnifiques, des beaux poissons sauvages. Elles sont magnifiques. Je vais essayer de pas la blesser. C'est toi qui as lancé là-bas? Ouais. Ah, je l'ai! C'est beau? Voilà, petite truite, on va la remettre juste au bord. Je ne ferai pas les autres. Regarde, elle est dorée celle-là. Allez, ma petite. Hop là. Oh, t'as toujours oh, dit... oh. Non? Elle y est. Ah bah tu vois, regarde. Ouais, c'est pas belle celle-là? Ouais. C'est un tout petit peu plus gros que celle que j'ai fait juste avant, mais ça reste pas du gros poisson. Mais bon, ça fait plaisir. Dans les cailloux. Je vais peut-être te prendre ouais, la pince. T'as vu, c'est la pangamelle, leur. Ça leur fait pas peur. Hein. Non, pourtant, c'est vraiment un modèle réduit de truite, ça. Elle est musclée celle-là. Ah ouais, tu le sens. Il la sort. Ah moi ça comme c'est beau quoi. Allez, on va la remettre juste au bord. Hop. Allez, sous le caillou. Direct planqué. Va grossir. On va descendre, casser la croûte, refaire quelques petits spots en bas. Voilà, c'est ce qu'on va faire, ouais. On va faire les deux, trois petits trous, on va manger un petit bout pour très bien. Se ravigorer un petit peu, puis c'est reparti après. Oh, il y avait des postes intéressants qu'on a laissés. Hein. Ah, c'est clair. On n'a pas pêché. Oh, bien. Légèrement court, hein. Mais bon, je te le pardonne. Ouais, super. Ah, ça va sortir. Poisson. Tu vois, je t'ai dit. Eh oui. C'est un petit peu plus gros. 26 de les deux dernières. Vas-y, avance, avance, avance. Tiens la pince. Alors, t'as vu qu'il fallait balancer à côté des cailloux? Ouais, ils sont bien là. En plus, c'est la zone la plus profonde là-bas. Et elles sortent des cailloux. Elles sont magnifiques ces trucs. Hein. Là, c'est magnifique, t'as l'avance? Ouais. Tu regarderas sur la dipeuse, t'as vu, ça fait des petites taches rouges. Bon bah Olivier, on va s'arrêter là. Ouais. J'aurais bien continué un petit peu. Ah c'est clair. On a un programme à respecter. Donc bah merci, merci en tout cas. Super rivière, on a fait quand même du poisson. Hein. Oui, mais... En très très peu de temps en plus. On a pêché quoi, une heure et demie? À peu près, ouais. On a pêché assez vite quand même, on est cherché le poisson actif. Donc bon, on n'avait pas des conditions super favorables, l'eau est très basse, eu de la pluie ce matin, après ça s'est arrêté, il y a le vent. Mais bon, c'est super bien. On fait quand même 5 poissons, quelques décrochés, quelques suivis. Voilà. Bon, voilà. Bonne petite matinée, tranquille. Super, quoi. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut, ciao. Typique de chez nous.